Le furet n'est pas un rongeur mais un carnivore, appartenant à la famille des Mustélidés. Le furet est un mammifère de la famille des Mustelda comme la belette, le putois, le vison ou encore le blaireau. Contrairement à une idée répandue, il n'appartient pas à la famille des rongeurs. Il existe deux types principaux de furets, l'albinos, sans pigmentation, à la fourrure blanche et aux yeux rouges, le putoisé, avec pigmentation, qui se décline en de multiples couleurs et marquages de robe. Le furet domestique n'existe pas à l'état sauvage, il s'agit d'une sous-espèce qui a été élevée par l'homme. Intelligent, vif, sociable, le furet domestique est l'animal de compagnie idéal. Par contre, son instinct de chasseur aidant, il a tendance à mordre en cas de mouvement brusque autour de lui. Il est très attaché aux membres de la famille qui l'élève, et encore davantage à celui qui le soigne et le nourrit. Taille, 33 cm à 40 cm, poids, 0,9 kg à 1,1 kg, espérance de vie, de 8 à 10 ans, période de gestation, 42 jours. Origine et caractéristiques du furet domestique. Les furets ont été domestiqués en Europe il y a environ 2000 ans par les Grecs et les Romains. Le furet domestique ressemble fortement à son ancêtre sauvage, le putois. Tout comme ce dernier, sa peau dégage une odeur de musc reconnaissable et dérangeante, odeur qui peut être supprimée par la stérilisation du furet domestique. Il possède un corps allongé et des courtes pattes munies chacune de 5 griffes. C'est un prédateur dont la mâchoire est garnie de notamment 4 grandes canines. La fourrure du furet domestique est le plus communément couleur sable. Mais elle peut être aussi noire, blanche ou couleur chocolat. Le furet domestique a la réputation d'être voleur. Il a effectivement conservé cette caractéristique de ses ancêtres sauvages qui cachaient leur proie dans leur tanière. Ainsi, il chaparde tous les objets de la maison qu'il trouve intéressants et les cache dans un endroit secret. Comment prendre soin de son furet? De par sa petite taille, et surtout quand il est encore jeune, le furet domestique se faufile partout dans la maison. Il faut donc faire attention à tous les « pièges », comme par exemple les fils électriques, qui peuvent le blesser. Pour les mêmes raisons, et parce que sa curiosité peut l'amener à fuir, il est recommandé de le promener à l'extérieur muni d'une laisse et d'un harnais. Pour la maison, un collier avec un grelot peut s'avérer utile pour retrouver un furet domestique. Très joueur, il doit avoir à disposition des jouets adaptés. Comme il ronge tout ce qu'il trouve, il faut éviter tous les jouets en plastique par exemple car il risque d'en avaler des morceaux. La couleur de son poil peut être de toutes les tonalités du brun. Souvent, le museau, les pattes et une partie de la tête sont plus foncées. Le mâle pèse environ 2 kg, mais la femelle est beaucoup plus légère. Elle pèse de 400 g à 1 kg. Son corps est long et ses pattes courtes, il peut donc se faufiler partout. Les mâles mesurent entre 40 et 60 cm et les femelles entre 30 et 50 cm. Le furet est un carnivore, il a donc des longues canines et la mâchoire forte. En tant qu'animal domestique, il mange des croquettes pour furets et pour chatons, ce qui est très mauvais pour eux car leur organisme ne supporte pas les céréales, mais à l'origine, c'est un animal carnivore mangeant de la viande. C'est pour cela que certains propriétaires de furets leur donnent aussi des poussins, des congelés, des souris, des ratons ou des préparations à base de viande et d'œufs.
Le furet est un animal qui dort beaucoup et ressemble sur ce point au chat. Il peut dormir jusqu'à 15 heures. Quand il ne dort pas, c'est un animal très actif, qui se dépense beaucoup. En tant qu'animal domestique, cela demande une grande surveillance. Il peut en effet se faufiler dans n'importe quel petit trou et rester coincé ou se perdre. Il est donc nécessaire qu'un adoptant de furet le sache et prenne les précautions nécessaires, interdire l'accès à tous les appareils électroménagers, les petits accès vers les canalisations, etc. De plus, le furet est un animal très joueur et attaché à son maître. Il passe la plus grande partie de son temps à fureter. Les furets jouent comme des chats et ils sont très malins. Le furet s'entend très bien avec d'autres animaux, notamment les chiens et les chats. Attention, la cohabitation avec, par exemple, les rongeurs et les oiseaux est impossible. Le furet est un animal domestique qui ne survit pas dans la nature. Ils peuvent vivre dans une cage à plusieurs étages munie de plusieurs cachettes, tunnels, tissus, hamacs, etc. Mais il faut qu'ils sortent au moins 2 heures par jour. Suite à l'accouplement, s'il est réussi, la gestation est d'environ 42 jours. Il est préférable que la femelle mette bas dans sa cage, au calme, elle pourrait sinon cacher ses petits dans la maison dans un endroit introuvable. Elle donne la vie à 8 furets en moyenne, mais ce nombre peut aller jusqu'à 18, qu'elle allait dès leur naissance. Deux fois par an, son poil court, semi-angora ou angora, change de couleur pendant la mue. En cas de peur ou de forte douleur, il peut dégager une odeur désagréable avec ses glandes anales. Dès ses premières chaleurs, au 9e mois, la furette peut se reproduire. La durée de gestation est d'environ 42 jours, suite à laquelle elle donne naissance jusqu'à 8 furetons, 2 fois par an. Ceux-ci sont sevrés vers 6 à 8 semaines. Pour supprimer les chaleurs de la furette et une surproduction d'estrogène, qui pourrait lui causer une anémie, il est préférable de la stériliser. Mieux vaut opter pour la stérilisation chimique, avec pose d'un implant, moins dangereuse que la stérilisation chirurgicale, pouvant provoquer la maladie surrénalienne. Pour le mâle, la castration n'est pas obligatoire mais atténue les odeurs musquées, amplifiées pendant la période de rut. Les animaleries sont des revendeurs d'animaux qui proposent des furets dans leur offre. La plupart des furets d'animaleries proviennent de fermes d'élevage, souvent intensifs, avec un taux de consanguinité important et sont stérilisés précocement. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.